On l'attendait, ça y est, toute la journée. Il est là, il est avec nous, il est à côté de moi. Je suis ravie, un de mes chefs préférés. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, c'est vrai. Bonjour Guy Martin. Bonjour. C'est important d'être présent ici. C'est important pour vous de parrainer ce salon Saveur des plaisirs gourmands. Bien sûr, c'est très important parce que c'est la rencontre, en fin de compte, des producteurs, des éleveurs, des cultivateurs qui viennent porte de Versailles, qui présentent leurs produits. La plupart sont faits avec beaucoup d'amour, beaucoup de travail. Et c'est la rencontre avec les clients, un échange, pouvoir expliquer d'où vient l'origine du produit, la façon dont il a été élevé. Et je trouve que c'est vraiment capital, parce que sans ce contact proche avec ses fournisseurs, c'est compliqué de comprendre un produit. Vous êtes un grand défenseur du manger bon, du manger sain. Évidemment, en venant sur un salon, on rencontre les producteurs, les artisans, donc on connaît l'origine des produits. Ça passe par ça, l'engouement des Français pour à nouveau avoir une démarche de manger bien, manger sainement, local si possible. Oui, bien sûr, sans être fermé aux autres, mais c'est d'abord autour de chez soi, dans les villes qu'on habite, dans les villages qu'on habite. Qu'est-ce qu'il y a autour de chez soi qu'on peut acheter dans les 50, 100 km autour de chez soi? Et surtout, c'est être vraiment capté au niveau des saisons, de bien suivre les saisons. C'est à la saison qu'on aura les meilleurs produits, les meilleurs prix aussi. Parce que quand vous achetez des framboises, par exemple, le printemps à la première pousse, et puis la deuxième pousse qui est en septembre, qui s'était un petit peu décalée cette année, vous avez par exemple sur ces framboises la meilleure saison, vous aurez le meilleur goût, elles seront presque parfaites. Parce que la perfection, il n'y a que Dieu qui peut l'atteindre, mais vous aurez vraiment un produit de qualité avec un prix raisonnable. Et là, je trouve que c'est vraiment important pour tous les produits d'être vraiment calés à cette saison. Vous avez un emploi du temps chargé, mais est-ce que vous prenez le temps parfois d'aller en région à la rencontre de ces producteurs, de ces artisans qui nous nourrissent ? Ben disons, toutes les semaines, d'abord je suis d'origine paysanne, donc c'est plus de 30 ans d'aller chez les paysans, de comprendre le rythme des saisons, de comprendre pourquoi il faut attendre autant de mois pour avoir un produit. Donc déjà, c'est quelque chose qui a bercé ma jeunesse. Et toutes les semaines, pratiquement, ou toutes les deux semaines, on est chez les cultivateurs. Dernièrement, on était dans la Bresse. Cette volaille de Bresse, qui est une appellation d'origine contrôlée, qui a été la première appellation d'origine contrôlée sur un produit dans les années 57. Tout est fait en autarcie. Le blé que va goûter cette volaille, c'est du blé qui a poussé dans la région. Ça peut être aller voir nos amis du sud-ouest, par exemple, chez Sarad, voir comment vivent les canards. Et je peux vous dire qu'ils vivent plutôt bien. C'est d'aller voir le printemps, les asperges, avec notamment les asperges des Landes. C'est ces asperges qui poussent au milieu de la forêt. Il n'y a rien. Vous arrivez au milieu de la forêt, vous avez des asperges qui bénéficient d'un climat extraordinaire. C'est d'aller en Savoie, aller voir les paysans l'été qui vont faire le Beaufort à 2000 mètres d'altitude. Voilà, c'est sans cesse aller à la rencontre de ces paysans, de ces cultivateurs. Et c'est très important pour connaître le produit. Et ces rencontres, ces voyages peuvent vous donner des idées. Vous pouvez y puiser votre inspiration pour créer ensuite des recettes dans les cuisines du Grand Véfour. Mais vous savez, Bria Savarin disait que pour faire de la cuisine, il faut des très bons produits. Pour faire de la bonne cuisine, il faut des très bons produits. Et c'est vrai que sans le très bon produit, le cuisinier ne peut pas cuisiner. Donc forcément, c'est une source d'inspiration. Et cuisiner, c'est aller vers l'autre, c'est une main tendue, c'est lui dire voilà, je vous ai préparé ou je t'ai préparé une recette. C'est vraiment quelque chose de passion et c'est un langage qui est universel. Vous êtes un garant de la tradition, hein. Vous servez toujours ce fameux gâteau de Savoie, parce qu'on rappelle vos origines savoyardes. Vous servez toujours ce gâteau de Savoie à la fin d'un repas, du repas au Grand Véfour. Mais vous êtes aussi, vous faites des passerelles avec la modernité, avec la nouvelle cuisine. Comment est-ce qu'on peut arriver à conjuguer la tradition et la modernité? Comment se font ces passerelles?
Elle se fend naturellement. Donc il y a des plats, des grands classiques, comme le biscuit de Savoie, c'est la recette de ma grand-mère, elle n'a pas changé. Enfin, la recette, ma grand-mère, malheureusement, oui, mais la recette n'a pas changé et on l'a un petit peu améliorée. Donc ça, on va dire, c'est une recette traditionnelle. Mais après, la cuisine, elle suit le mouvement, elle est contemporaine. Donc forcément, elle évolue et tout naturellement, elle sera moderne. Et on se remet en cause quand on est cuisinier, quand on est installé, quand on a déjà ces deux étoiles. Est-ce qu'il y a, toujours un cheminement? Est-ce qu'on a envie de se remettre en cause, de se lancer des défis, des nouveaux challenges? Vous savez, on se remet en cause deux fois par jour. Il y a rien n'est acquis. On doit être champion du monde tous les jours. À chaque service, c'est comme au théâtre, c'est du direct. Donc, oui, c'est tous les jours, on ne baisse jamais les bras et on essaye toujours de donner le meilleur de soi-même. Mais pour ça aussi, il faut souligner le travail des équipes. Et notamment en cuisine, j'ai un collaborateur qui s'appelle Pascal Pujot, qui est un fidèle collaborateur. En service, il y a Christian David. On s'appuie aussi sur des équipes qui c'est comme au handball, vous savez, tout le monde attaque, tout le monde défend, on est tous ensemble. Une équipe, un travail d'équipe. Et alors là, on s'intéresse au Guy Martin cuisinier, mais Guy Martin l'homme, parce que c'est ça que les auditeurs de Cuisine Radio aiment découvrir, c'est l'homme derrière le cuisinier. Qu'est-ce qu'il aime bien cuisiner à la maison, Guy Martin, quand il a le temps? Pour sa chérie, pour ses enfants? Quand j'ai le temps, j'essaye de prendre le temps. Là, dernièrement, avec les enfants, on a fait un gratin, tout simplement. Mais bon, on a choisi les bonnes pommes de terre. On est allé chez le crémier acheter de la bonne crème et du lait entier. Alors, on prend quoi comme bonnes pommes de terre pour faire un gratin à la Guy Martin? Il faut surtout pas des pommes de terre nouvelles, parce que les pommes de terre nouvelles, elles sont pas assez de fécule. Donc, si vous voulez, c'est compliqué pour qu'ils prennent. Mais surtout, après, une fois qu'on a émincé les pommes de terre, d'abord, la pomme de terre, une fois qu'elle est épluchée, elle doit séjourner très, très peu dans l'eau. Et ensuite, une fois qu'elle est émincée, coupée si possible au couteau, il ne faut surtout plus la mettre dans l'eau. Et par exemple, frotter un plat avec de l'ail, allonger ses pommes de terre dessus, mettre un mélange de crème-lait et oublier au four 40-45 minutes à 180-200 degrés. Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction du marché. Vous savez, on fait le marché et en fonction du marché, on va acheter des produits et voilà, rien. Mais j'essaie de cuisiner quand je peux, quand les enfants sont là avec eux. Et vous leur avez transmis votre amour de la cuisine? Ils s'y mettent un petit peu? Je vois Flavien qui ne doit pas être très très loin. Il aime cuisiner comme son papa ou il aime surtout manger? Non, écoutez, non, j'ai pas été très très bon pour leur enseigner la cuisine. Par contre, je crois que j'ai été pas mal pour leur enseigner les bonnes choses et le respect, d'abord le respect du produit, le respect, savoir que chaque fois qu'on va goûter un plat, il y a des gens derrière qui ont travaillé, donc le respect. Et ouais, il a un palais qui est pas mal. C'est un fin gourmet alors, le fiston. Vous êtes aujourd'hui là donc en tant que parrain du Salon Saveur des Plaisirs Gourmands, mais aussi pour dédicacer votre livre. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce beau livre de la cuisine du Grand Véfour? Ben, c'est la première fois que j'écris un livre avec l'histoire du Grand Véfour, donc 130 ans d'histoire. Toutes les grandes personnalités qui sont venues, les présidents de la République, des anecdotes sur ce Grand Véfour. Et 22 ans de recettes, 22 ans que je suis au Grand Véfour et 22 ans de recettes que je fais partager. Est-ce que vous donnez dans ce livre la recette, une de vos recettes que je préfère, les fameuses ravioles de foie gras? Vous m'aviez même confié qu'un client l'exigeait en entrée et en plat et qu'il avait boudé le jour où vous l'aviez retiré de la carte. Oui, vous avez bon souvenir, c'est vrai, on a un client qui prend ce plat du début à la fin, oui, même en dessert. Pour lui, c'est un plat fétiche. Mais c'est ça qui est bien, c'est que chaque recette, en fin de compte, a vraiment une histoire. Et c'est pour ça, c'est Alain Chapelle qui disait que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. On va peut-être, oui, on va bien sûr, on va le présenter. Je vais laisser Guy Martin présenter l'ouvrage. Donc, Le Grand Véfour, donc, par Guy Martin. Alors, bon, c'est doré, à l'or chaud, les tranches aussi. Enfin, c'est vraiment un gros travail. C'est vraiment un livre-objet. Là, on le range dans la catégorie beau livre. On le range dans la catégorie beau livre. Vos confrères sur BFM ont élu le livre de cuisine de l'année. Et puis voilà, donc là, il y a l'histoire du Grand Véfour avec ce palais royal, des photos de Woody Allen, qui est un habitué, de Cocteau, de Jean Marais, de Colette. Voilà, toute l'histoire du Grand Véfour.
On pense que pour la première fois, la fourchette a été utilisée dans un restaurant au Grand Véfour. Et ensuite, là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les recettes, 22 ans de recettes, voilà, avec des équipes formidables, et notamment Pascal, qui est un super collaborateur. Alors, la cuisine, c'est le partage. Vous nous faites le plaisir de partager vos recettes. Pourquoi ne pas les garder jalousement pour vous, pour que les gens viennent vous découvrir qu'au restaurant ? C'est beau, ce partage que vous faites grâce à ce livre. Ben, je pense que les choses, il ne faut pas les garder pour soi et qu'il faut, voilà, ça ne sert à rien de garder, de cacher ses recettes, de les montrer qu'à une partie de l'équipe. Non, jamais fonctionné comme ça. Je trouve qu'il faut transmettre aux plus jeunes, voilà, que la transmission est importante. C'est pour ça aussi qu'on s'implique beaucoup dans les écoles. J'ai de la chance de faire un métier vraiment qui me motive, avec des produits exceptionnels. Ben, il faut redonner les choses aussi. Est-ce qu'il y a une recette qui vous plaît plus qu'une autre ? Est-ce que vous avez une recette fétiche ? Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'arrêterez jamais de cuisiner et de proposer à vos clients ? Peut-être les ravioles de foie gras, oui. Peut-être les ravioles de foie gras, mais la plus belle recette, c'est sans doute celle qui sera faite demain. Ne les enlevez plus de la carte, hein, vos ravioles. Je vous promets. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'auditoire est particulièrement féminin. Vous êtes consciente de votre capital séduction auprès des clientes ou pas du tout ? Non, pas du tout, non. On parle juste de cuisine. On s'intéresse qu'à la cuisine ? Alors, on vous retrouve en dédicace. Je crois que la dédicace va avoir lieu ici. Hein, si mesdames, on les vend là-bas et Guy Martin va les dédicacer ici. Si mesdames, je crois qu'il y a très peu de messieurs, j'en vois deux, trois. Si mesdames, vous avez une question, c'est le moment. Guy Martin est là pour vous. Non ? La timidité les retient. Merci beaucoup, Guy Martin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.